Salut tout le monde, c'est Fuu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on est sur Blue Lock Blaze Battle. Ça y est, le jeu est enfin sorti et disponible. C'était compliqué sur la journée, il y a eu des maintenances, des complications sur le jeu. Je me suis dit, même à un moment, ça trouve à même pas pouvoir y jouer pour l'instant, c'est chaud. Mais non, ça y est, on y est dedans, on peut y jouer, ça c'est cool. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse de tester le jeu, j'ai fait une vidéo hier, voilà comment l'installer. Donc si vous voulez vraiment y jouer, n'hésitez pas à aller la regarder tout simplement. Donc je vous ai passé quand même bien skip le tuto pour qu'on soit pas emmerdé là-dessus. En général, les tutos, c'est pas le truc le plus intéressant. D'ailleurs, je vous montrerai après comment faire ce reroll, etc. pour ceux que ça intéresse, pour avoir d'autres personnages ou essayer de choper le meilleur personnage du jeu. Parce que bien évidemment, à une sortie de jeu, on a toujours les tier lists qui tombent, qui peuvent bien évidemment changer par la suite. Mais souvent, sur les nouveaux jeux, je sais pas pourquoi, ça bouge pas spécialement des fois, surtout pour les hauts personnages. Donc on regardera. D'ailleurs, je vous mettrai hop, la petite tirelire sur le côté. A priori, on partirait sur du Rin et du Rensuke. Pour ceux que ça intéresse, voilà. Et puis, on va retrouver en S du Nagi, me semble, et du Kazuki. Voilà. Après, il y a les noms de personnages voilà, que j'ai un peu oubliés. Mais voilà, la saison 1 remontait un petit moment. Donc, on verra bien si ça bouge. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir quand même les personnages en S. On va essayer d'avoir un petit Rin ou un Rensuke. Et puis, voilà, s'amuser là-dessus. Par contre, si je drop tout de suite, ça va être chaud pour vous montrer face au j'aurai pas le courage. Mais bon, au pire, je ferai une petite instance supplémentaire tout simplement pour ça. Donc du coup, voilà les gars, j'ai ramassé les récompenses. Donc on est actuellement à 3320 cristaux, ce qui devrait me permettre, hop, si je vais ici dans les invocations, de faire 22 singles, dont 2 multi. Donc ça, c'est intéressant. Donc la première bannière, bien évidemment, c'est drôle, c'est une bannière payante, hein, 1500 cristaux, voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Donc nous, bien évidemment, on va partir sur la gratuite. Puis de toute façon, vu que tu peux face reroll et tout qui va bien, en vrai, c'est pas grave. Hein. Tu peux vraiment reroll et essayer d'avoir le personnage qui t'intéresse ou le plus. Et puis de toute façon, voilà, n'oubliez pas, hein, bien évidemment, sur ce genre de jeu, surtout vu que c'est peut-être JP, faites-vous plaisir avant tout. Hein. Je sais pas si ça va être vraiment une version que tout le monde va tryhard. Donc c'est parti, les gars. On invoque et on va voir ce qu'on fait tomber ou pas. Sachant que le taux de drop est actuellement de 3%. Ok. Petite duo avec Rensuke. Oh, c'est vachement lent. Est-ce que c'est normal ça? Ok, ouais, c'est normal. C'est hyper lent. Ok, on peut shoot. C'est jaune. Est-ce qu'on fait un but ou pas? Ok. Oh, il y a un but. Ok. Pas d'arc-en-ciel. Donc à mon avis, est-ce que ça peut péter? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc qui peut péter et en mode arc-en-ciel et puis tu drops un nouveau perso? Ok, un étoile. Ok, donc la première ça semble compliqué. Hein. Je me demande c'est quoi qui garantit du coup. C'est pas parce que tu mets un but a priori que t'as un SSR en fait. Ou un 3 étoiles. Ok. Oh, il y a tout le monde. Ok. Impeccable. Vas-y, shoot frérot. Ah merde, putain, ok, ça s'arrête qu'à lui. Mais au moins il y a eu tout le monde. On va voir. Allez, petit shoot qui fait plaisir. Ok, le petit ralenti. Non! Il l'a arrêté? What? C'est quoi cette couleur? Oh, il y a une récup! Il y a une récup. Alors, je sais pas pourquoi, des fois, ils ont fait des simulations d'animation hyper lentes comme ça. Mais vas-y, c'est pas grave, il y a aucun problème, les gars. Oh, bah là, il la met. Obligatoire. Ah, par contre, ils remettent le personnage, là? What the fuck? Ok, il y en a un. Ok, on en a un. Qu'est-ce qu'on drop? Ok. Oh, le petit Bashira. Petit Bashira, par contre, je me rappelle plus. J'ai juste regardé vite fait sur la TL. Bon, a priori, c'est à tiers, c'est pas ouf. Mais le personnage stylé. Hein. J'aime bien les animations qu'ils ont mis dessus. Ok, Bashira. Alors, est-ce qu'il y a possibilité d'en avoir peut-être un deuxième ou un autre qui pète ou pas? On sait jamais. Hein. Les animations avaient l'air tellement classe. Non. Ok, ok. Non, franchement, bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a des moments où je trouve où les ralentis sont un peu trop abusés, mais sinon, pourquoi pas. Alors moi, ce que je propose, en vrai de vrai, c'est qu'on fasse vite fait un petit test, et puis après, je vous montre tout simplement, pour ceux qui veulent fast reroll. Vas-y, on se fait une petite quête, je viens de faire un petit match pour voir. Je viens de me faire une petite compo. D'ailleurs, je vais vous skip un peu ça, hein. Je vais vous skip jusqu'à là. Relevo, donc du coup finalement on va faire plutôt comment fast reroll parce que il y a voilà un peu de quête etc, donc ça prend un peu de temps avant de commencer à faire des petits matchs, donc c'est pas grave, on va pas être sur cette priorité là au niveau de cette vidéo. Donc comment fast reroll, tu vas tout simplement là où j'étais en haut à droite dans menu, tu vas en bas à gauche là où il y a un petit logo profil, hop, ça va tout simplement supprimer ton compte, tu fais yes, hop, voilà, donc là ton compte est dorénavant supprimé, donc là tu vas faire tap to start. Connecting, connecting.
Voilà. Donc là, il te met un petit message voilà, pour dire les trucs de confirmation, etc. D'accepter les règlements du jeu. Ça, c'est ce qu'on avait fait au tout début. Donc là, on fait OK. On attend un petit peu. Faut être trop pressé. On reclique au même endroit. Là, après, il va te demander tout simplement si tu veux lier ton compte. Donc là, on s'en fout, on veut pas lier notre compte, on veut jouer, voilà, comme si on n'avait rien. Hop, tu refais ton pseudo. Nickel. Et là, c'est maintenant que c'est intéressant, c'est là qu'il te demande tout simplement si tu veux passer le tuto ou pas. Donc on va cliquer en bas à droite pour dire qu'on veut le skip, bien évidemment. Et normalement, je devrais revenir après tout simplement tout ce qui est du tuto, etc. pour pouvoir invoquer directement. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va le tester, c'est la première fois que je le fais. Normalement, ça devrait bien se passer comme ça. Voilà, bah nickel, c'est ça. Ah, c'est top, hein, les gars. Franchement, le reroll, il est vite fait. Tu quittes le jeu, tu reviens sur ton menu et let's go. Merde. Oh, j'ai envie. Les gars, est-ce qu'on s'éclate un petit peu dans cette vidéo? Allez, c'est parti. On va ramasser tout ça. Hop. Allez, on se propose une petite dernière multi-face reroll. Oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'alives. Vilain, tu m'alives. Oh, le vilain. Il a pas aimé. J'étais trop vite pour lui. J'étais beaucoup trop vite. Il m'a dit, sors du jeu. Tout de suite. Non, moi, je veux invoquer, les gars. Je veux invoquer. Même si on a que 3%. On a eu Bashira, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Et puis on va en profiter, hein. On peut vraiment face reroll comme ça, donc c'est bon. Aucun problème. C'est parti, mon kiki. Et je suis curieux de voir si on peut avoir d'autres animations intéressantes ou pas. En dehors de ce qu'on a eu. Ok, donc là, il y en a deux. Ah, ils shootent direct, hein. Des fois, je me demande s'ils font pas tête des passes. Oh là, c'est bleu, c'est moche. Oh, ça pue. Oh, ça pue pue. Alors, potentiellement, il y en a un qui peut être attrapé. Ok. Ah non, il n'y en a aucun qui rattrape, donc là, c'est... Oh là là! Oh, c'est dégueulasse. Oh, comment elle est dégueulasse, celle-là. Ouais, donc, 2 étoiles. Ah, donc ça pourrait peut-être même péter, en vrai. Hein. Ok. Deuxième multi. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on va drop? Ok, encore à deux. Ok. Sur lui. Petit ralenti de la mort qui tue. Plus la mort, plus le ralenti est bon... Plus il y a des chances, c'est ça, non? J'ai dit n'importe quoi, hein, bien évidemment. Ok. Oh, ça rentre. Et pas d'arc-en-ciel. Allez, on skip. Oh, ok. Bon, bah rien d'intéressant, malheureusement. Ok. Eh ben, écoutez, les gars, j'espère que cette vidéo présentation découverte du jeu Blue Lock t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, comme d'habitude, à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde.